Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur, nous baillons bon Dieu gloire, nous baillons Seigneur à louange, nous exaltation. Est-ce qu'il y a une opportunité encore, je dis ça, samedi 5 novembre 2022, pour nous capables d'approcher dans la présence. Nous passons une très bonne semaine, une longue semaine. Nous avons travaillé, nous avons monté et descendu, nous avons vaqué dans l'activité. Seigneur a te permettre nous tous de dormir en bien, nous lever en bien. Nous disons Seigneur merci pour ça. Et nous comptons nous-mêmes qui déjà branché, pas oublier de vous entendre des musiques. Déjà connaissé, c'est Romain qui est rentré la caille avec serviteur, pasteur et notre Timothée. Pasteur de l'Église de Dieu, vie abondante. Qui va bien dans ces hommes-là, nous prions, non seulement, nous prions pour tout le monde, pour tout bien-aimé dans le Seigneur, même pour les païens qui pourront encore accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Même dans ces hommes-là, nous partager la parole de Dieu, pour que bon Dieu a parlé avec nous, et puis ensuite, nous prions ensemble. Même le pour qu'on de voir ou qu'on prie, mais autant de voir qu'on prie. Et parce que nous prions ensemble, pendant ma prière ou même ma prière tout. Nous disons Seigneur merci pour le ministère de prière ça. C'est l'homme spirituel là qui rentre la caille chaque jour, du lundi au samedi, de 11h45 am, ou de midi 15 pm. Tout de suite. Nous parlons de la lecture de la parole de Dieu. Je souhaite que bon Dieu vous fasse passer une bonne semaine, amis. Et si vous n'avez pas une bonne semaine, peut-être que vous êtes malade, vous avez un peu d'inquiétude, vous avez un peu de problème qui t'a bouleversé. Les circonstances de la vie, bon Dieu là pour t'aider. Jean-Auteur a chanté, il dit bon Dieu là pour t'aider moi. Bon Dieu là pour aider, pour prendre soin. Et vous capable guider, donc bon Dieu là pour mettre parler avec elle, bon Dieu attendez, on a prié pour vous, et nous connaissons bon Dieu à vous retirer dans une situation qui est difficile, vous, la traverser avec vous, la quelques mères, pour traverser avec vous un passe qui est difficile. Vous. Je dis à la fin de l'étude de la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, ma vie, verset 4, hein? Verset 4 jusqu'au verset 6. 1 Jean chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 6. Elle a parlé concernant les compatibilités du chrétien avec le péché. Et en même temps, on va parler concernant l'exigence de la justice. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Nous lisons un passage qui est assez intéressant. Et passage à tout, c'est en continuité à ça nous avons enseigné dans la semaine. Côté nous avons dit Jésus-Christ, nous avons parlé de la divinité de Jésus-Christ. Et puis, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, qui dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et notez où ouais, Jésus-Christ existait sous forme de Dieu. Notez lui tout passage, et notez lui pas de péché dans lui. Même là, il était sorti dans le ventre Marie, pas pour un jeune mari, il pas pour un sentiment Marie, pas pour un saint Marie. Par l'opération de l'esprit, c'est un coup. Cet esprit de l'être particulier, il est en dans Marie, il grandit, mais il va bien dire un nez, il va bien dire un nez pour nous, il va pas besoin de nous. Et
ou pas d'abjeun mari, ou pas d'abjeun partie de mari dans l'écriture. Parce que pas nourri dans sans mari, j'aime, pas bien j'aime, mari, c'est ça que l'on est sans péché. Ou qui ça verset a dit, nous prenons ça d'abord, il dit, or vous le savez, verset 5, 1 Jean 3, tout le monde connaît ça bien. Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Jésus est venu pour être capable de retirer, ôter le péché. Right? Les péchés. Les péchés du monde. Le péché du monde. Songez, les Jean-Baptiste, ouais, Jésus a venu pour leur main et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parmi les premiers parents de nous, qui transmettent à toute génération qui descendue de Adam et Ève. Parmi ces deux premiers, ils ont été des missions pour peupler la terre. Quelle que soit la nation qui existe sur la terre, quelle que soit la couleur, parmi nous tous, nous sommes sortis dans Adam et Ève. Et puisque la nature est venue garder, Adam et Ève sont devenus péchés dans lui-même, eh bien, ils transmettent péché à par nature. Alors, c'est ça que la Bible dit, mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tout le monde qui vient descendre de Adam et Ève, qui vient découler de Adam et Ève, vient tout le monde porter péché à Adam et Ève. Ouais. Et c'est ça que David a parlé dans son psaume. Il dit, depuis l'enfantement même, il y a péché, il fait pas péché dans le cœur. Alors c'est la désobéissance là-derrière, le péché originel. C'est ça, quand on dit le péché originel là, la désobéissance. Mais cependant, Jésus passait dans votre mari par péché. Et c'est seul ça que tu as fait pas péché parce qu'il n'a pas pris un jeune mari. Right? Il n'a pas bien ADN mari. Si on fait ADN pour nous, il n'a pas besoin d'un jeune mari. Donc, Jésus était sans péché. Il était sans péché. Et ça fait, et la Bible confirme, le même baoul, 1 Jean 3, le verset 5, et il dit comme ça. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point de péché, il n'y a point en lui de péché. C'est-à-dire, dans Jésus-Christ, pas de péché. Il était venu pour retirer le péché du monde, mais pas de péché dans lui. C'est belle bagaille. La Bible dit quiconque pratique le péché transgresse la loi. Ouais. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Eh bien, ça signifie pour moi. Eh bien, verbe transgresser, hein, verbe grec qui traduit pratiquer le péché, hein, il suggère une pratique régulière, habituelle du péché. Hein? Bien que nous sommes capables de dire chrétiens, jusqu'à présent, les chrétiens véritables, ils ont toujours possédé dans eux encore des dispositions à pécher. Right? Même les chrétiens, ce n'est pas qu'on n'a pas de temps dans sa péché. Ils ont toujours même des dispositions pour pécher. Ouais. Mais cependant, la Bible dit c'est pour gourmer avec péché, résister avec péché jusqu'au sang. C'est pas que penser péché pas venir dans vous, c'est pas que idée péché pas venir sur vous lorsque vous êtes chrétien, mais la Bible dit pour gourmer et pour résister avec péché jusqu'au sang. Parce que leur péché ou transgresser la loi, à nous violer la loi, quelle loi? La loi de Dieu. Christ dit où c'est pour camper loin péché. Et parlant de péché,
c'est pas seulement adultère, fornication qui péché, tout ça moi avons fait qui contraire à la volonté de Dieu, il est le péché. Désobéissance, c'est péché. Right? Désobéissance, c'est péché. C'est ça qu'elle nous dit, même l'orgueil chrétien, hein, c'est pas que ou pas gain des dispositions à pécher la rare. En parlant, vous pouvez pécher. Dans la pensée, vous pouvez pécher. Dans la parole et dans l'action, vous pouvez pécher. Vous ne pouvez pas commettre un acte, mais vous êtes en péché. Le fait qu'on tellement pensé ou médité la pensée, il chita dans l'esprit ou il sale l'esprit ou il falsifie l'esprit ou et puis il est perdu tout contact ou il est perdu tout contact ou avec ton Dieu. Et bien, amis, n'a encouragé ou pour étudier la parole de Dieu, lit la Bible. Parce que chaque fois qu'on lit la Bible, c'est mon Dieu qui a parlé avec vous. Et les ou à prier, c'est vous-même qui a parlé avec Dieu. Et c'est dans la Bible où je une volonté de Dieu. C'est la Bible qui montre la volonté même de Dieu. Comment pour obéir mon Dieu. Et c'est la Bible qui montre que la bénédiction dans l'obéissance. Les ou obéir, ou à bénir, ou à charger avec grâce mon Dieu dans la vie. Bénédiction mon Dieu à répandre dans la vie ou en abondance. Nous allons essayer la gloire. Est-ce que nous avons l'opportunité chaque fois pour nous faire toute méditation avec sur la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, vous attendez, vous apprenez la parole, et bien nous pratiquons la parole. À nous mettre en pratique parce que la bonne moi, la bonne vous. Hein? La bonne moi, la bonne vous. Si vous regardez dans Jean chapitre 1 verset 8, Samson dit là, nous avons des dispositions à pécher, même les véritables chrétiens. Sous les Jean chapitre 1 verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisions nous-mêmes. Yeah, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point dans nous. Si nous t'a dit, nous pas bien péché dans nous, nous pas jamais péché, nous avons séduit tête nous et nous pas bien vérité dans nous. Mais cependant, dans verset 9 là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour pas gagner pousser le péché, pour cacher le péché, pour ne pas pécher, et surtout pas pécher, ou pas gagner la vérité dans ou. Parce que péché, ce n'est pas seulement adultère ou fornication. Est-ce que la même, mensonge, parler de monde mal, utiliser autour d'un neuf, hein? Tout ça fait qui contraire à la volonté de Dieu. Bon, même travail, mon Dieu, l'église, même contribution de l'église, dans vous dire, mon papa, il est péché. Et la Bible, les filles, vous dites, toutes sortes de choses bien, ou camper sous nous, pas faire encore, ou péché. Et c'est ça qu'elle dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Hein? Mon Dieu, Jésus-Christ, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Et pour purifier nous de toute iniquité. Et si nous t'a continué pour nous dire, regardez verset 10 là, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point dans nous. Et si nous t'a persisté, dit nous pas de péché dans nous, eh bien nous faisons Christ passer pour un menteur. Right? Nous faisons passer pour un menteur. Et parole n'est pas dans nous. Parole n'est pas dans nous, non? Pour qui ça, c'est qu'on s'en prend. Et si vous regardez, texte, surtout le dernier verset samedi, verset 10, là, qui dit, et sa parole n'est point dans nous, il corroborait sa hauteur à dire dans Somme 119, je serre ta parole dans mon cœur.
afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que là, elle a? Ça veut dire, il faut un attachement avec la parole de Dieu. Si vous avez un attachement avec la parole de Dieu, et bien, amis, vous avez toujours péché. Et même dit, même nous les chrétiens véritables, nous sommes dit encore, nous avons des dispositions, des penchants pour nous pécher. Et c'est ça qui fait, c'est goût, mais la goût, c'est ça qui fait la vie chrétienne, c'est une lutte. Son lutte, son goût, mais si nous avons dit que nous péché dans moi, son goût menteur. Mais cependant, la Bible dit éviter pour ne pas vivre dans nos péchés. Chercher mon vie des défauts, mais le fait qu'il va dans une terre, il va pécher. Le fait qu'il va dans la fornication, il va pécher. Mais après ça, des autres temps passés, il va gagner. Parler mon mal passé, il va gagner. Est-ce qu'on avait mon rancunier passé, il va gagner. Orgueilleux passé, il va gagner. Mais cependant, il est bon, il doit être bon. Pour qui raison? Parce qu'il n'est pas dans l'adulte, il n'est pas dans la fornication. La Bible a parlé, a énuméré pour nous les œuvres de la chair. Il passe pour un mi-oreille, jalousie, il passe pour tout le bail sur la rancune, tout en série de bagages. Nous parlons de la prière parce qu'il est déjà fait midi. Nous parlons de la prière pour parler cœur, pour pouvoir entrer ensemble avec nous dans la présence de Dieu, le Tout-Puissant, disposer cœur, amener dit ça. Pour nous entrer ensemble, la présence du Seigneur, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Non, l'aile parler, personne n'a pas qu'à opposer. Personne n'a pas qu'à opposer. L'aile ouvert porte, personne n'a pas qu'à fermer. L'aile ferme porte, personne n'a pas qu'à ouvrir. Et bien, dans le moment ça, nous disons merci. Nous balons le droit ou les louanges. Nous balons l'exaltation. Que lui-même seul, l'invité, à nous prier ensemble. Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de compassion, Alpha, Omega, commencement à la fin, premier dernier, roi des siècles, immortel, invisible, tout puissant. Nous bénissons, nous disons merci Seigneur, pour l'opportunité, ça, au moment où nous voulons approcher dans la présence. Merci pour chaque monde qui est déjà là, dans la vie, ça, Dieu. Et merci pour chaque monde qui prend le temps de y après. Nous bénissons, nous bons louanges, nous bons gloires, nous bons honneurs, que vous-même seul méritez. Merci pour toute semaine-là, nous avons vaqué dans nos activités. Si vous nous êtes à l'école, vous te permettez d'entrer en bien, vous permettez de travailler, vous bâtir l'intelligence, vous augmenter la capacité intellectuelle, vous aider les volets de Dieu, pour vous capable d'apprendre. Moi, je vous merci pour ça. Dieu d'amour, bon gloire, bon louange, bon exaltation, que vous-même seul méritez. Papa, merci Seigneur pour la vie, que vous faites nos cadeaux, la vie éternelle, pour l'évangile de gloire. Dans le moment ça, nous disons merci pour toute bagaille. Parce que il y a des bagailles vous faites pour nous que nous ne connaissons. Et souvent, votre foi qui plus, parce que c'est ça que nous connaissons, Dieu. Dans le moment ça, n'a pleuvé devant les malades. Si là où qui couchait l'hôpital, ça cap souffri. Ça ou la caillou tout cap souffri. Visitez au moment ça. On va consoler, on va toucher au Dieu. Gagne besoin guérison, gagne besoin toucher. Ou même qui pis grand docteur, le docteur par excellence. N'a pas de visiter au dans le moment ça. Va y toucher. Ou même cher Seigneur qui t'a guéri femme. Qui t'a perdu du sang, qui t'a fait près de 12 ans, qui t'a perdu du sang, docteur pas de café pour lui, toute l'argent t'a fini dépenser, mais il t'a seulement touché, rabbi, il t'a joué de la guérison. Ou toujours là, nous ne parlons pas physiquement pour nous toucher, mais depuis lors, on a parlé, on t'a dit, on a parlé, mais on a parlé tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et à travers l'esprit, ou là, ou présent, ou vivant, et c'est ça que nous avons pris malade devant. Même si on a guéri une femme de 12 ans, perte de sang, bâtiment, on a fait le loué qui était aveugle. Eh bien, nous avons pris malade, ce n'est rien. Nous avons fait le loué vivre encore. Même les docteurs, pas qu'à faire encore. Mais pour nous, même il n'y a pas jamais trop tard. Nous avons pris le loué, Seigneur.
dire un mot parler. Frère Franz, nous ne pas jamais commencer pour camper dans l'Outa. Soyez Anna, soyez Créante, soyez Charlotte Joseph, mais vous tous devant dans le Sahara, soyez Chantal Jean-Baptiste, soyez Yeldi, avec problème ça au Dieu Taïouda. D'après nous, même qui plus grand de terre toucher au Dieu, soyez Chantal, avec problème ça dans votre cher Seigneur. D'après nous, même on va faire l'opération, on va toucher là. Ce Saïta, n'a pas de va toucher, nous va visiter dans le moment sa Dieu. Mais nous devons nous comme esprit devant. Entrer dans la maison Saïo, disons, ce Marie Gérard. N'a pas de visiter dans le moment sa. N'a pas de toucher au Dieu. Chaque monde, cher papa, qui toujours autour de la ça, qui sentit au pas bien dans la santé physique, n'a pas de toucher au. Chaque malade dans la vie abondante, à Miami. À Bison, à Saint-Louis du Nord, à Bouchou, à Saint-Domingue. N'a pas de visiter au Seigneur. Visitez-vous, femme enceinte, nous levez au devant. La sœur Marseille, nous levez au devant. La sœur Gina, nous levez au devant. Barra au santé, nous va kender en bas manteau de grâce. Et les leurs va arriver, nous va permettre, nous va faire bonne couche, Seigneur Dieu. Dans le moment, ça a un pilote tout qui marié, qui besoin de monde. Cher Seigneur, après tant d'années, tant de mois, qui beaucoup de monde, qui chagrin, qui sorti l'esprit au bouleversé, la pandou va en toucher dans le moment ça. Visitez maison ça, visitez caille ça, visitez foyer ça, visitez famille ça, Dieu. Pour va bénir nos personnes. Papa, nous comptons sur vous. Vous savez, voir des siècles qui montent les visites tout puissant. Pas de guet en cours, pas de chambre guet en cours, Seigneur. Nous sommes bon Dieu, nous parlons l'éternité envahie. Et personne n'a qu'à opposer, nous parlons. Nous m'en savons parler pour malade, ça y est. Femme enceinte, Dieu. Ça a eu qui gagne une complication. N'a pas de vous toucher, n'a pas de vous longer mère. N'a pas de vous visiter. Vous savez, voir des siècles qui montent les visites tout puissant. N'a pas de vous visiter, Seigneur Dieu d'amour. Protégez-vous contre tout ça qui mal. Préservez-vous, gardez-vous, Seigneur, et faites-vous grâce. Mais si là, tout cher Seigneur qui persécute, cher papa qui n'a pas dormi, n'a pas dormi, mais vous fermez-vous au côté de toutes sortes de bêtes. Cher Seigneur, faites-vous la guerre. Maintenant, vous passez par vous, croisez épée sous maison, croisez épée sous foyer, sous famille, sous habitation, Dieu. On va visiter vous dans le nom de Jésus. Papa, nous disons merci parce que nous gagnons. Nous gagnons comme un secours, comme un recours, comme un abri sûr. Nous comptons parce que nous gagnons à qui crier, à qui aller, pour te acheter, pour un refuge se trouver, ayant besoin d'un ami pour m'aider, qui prend si dans Jésus-Christ. Merci parce que nous gagnons. Parce que le peuple vit abondamment, gagnant. Chaque ami vit abondamment, gagnant. Dans le moment ça, mes collaborateurs vivent abondants pour lever les vents. Frère Raymond, évangéliste Raymond, frère Lavoie, lever famille au vent, foyer au vent, frère Tolène. Tant d'autres Seigneur, on va visiter eux, mes ministères vivent abondants, mais chaque secteur, les cellules, la jeunesse, les dames, les musiciens, les enfants, les ouvriers, Christy, mon cher, nous remettons toutes nos mères. On demande de vous visiter au Seigneur. Ça qui manque de persévérance, bah vous persévérance. Ça qui manque de rester prêt, faites-vous rester plus prêt. Parce que plus prêt, on sait la vie. Et puis loin, on sait la mort. Papa, il y a un pile qui trouble dans l'esprit agité, à cause de problèmes, à cause de difficultés, à cause d'être chargé. Il y a ces dettes que vous avez. Mais maintenant, vous faites grâce. Faites grâce. Dans le nom de Jésus, fais grâce. Dans le nom de Jésus, fais grâce. Dans le nom de Jésus, fais grâce. Touchez-vous. Touchez-vous, papa. Longez-moi sous l'eau. Touchez-vous, Dieu. Longez-moi. Parlez à Jibou-Main. Seigneur, mets-vous devant. Dans le nom de Jésus, mets-vous devant. Maintenant, mes corps esprits au devant. Mes pensées au devant. Fais grâce. Dans le nom de Jésus. Nous comptons sur vous, Seigneur. Vous dites nous frapper ou appauvrir. Vous dites nous chercher ou abjoindre, demander ou abandonner. Tout espoir nous c'est dans oublier.
Nous sommes bon Dieu, cher papa qui sans limite. Des côtés non nous vivre, des côtés photos nous vivre, nous va aller. Des côtés à condamner, des côtés des mouni à marrer, des mouni à enchaîner, des mouni à clouer. Maintenant nous faisons intervention. Fais intervention, Seigneur. Fais intervention, parlez. Parlez, Dieu. Mais on parle, tout le bagaille va rentrer dans l'ordre. Disciples qui sont sous l'enmer. L'enmer a été agité. Le fantôme a été fort. Mais on t'a parlé. On t'a calmé la tempête là. On t'a calmé la mer agitée. Il y a des gens qui ont une tempête dans la vie. Il y a des gens qui ont une tempête troublée la caillou. Dans la famille, dans le foyer, il y a des gens troublés, des gens qui agités, des gros vents qui ont vanté. Nous ne pouvons pas paraître. Parce que toujours même mon Dieu a. Nous avons besoin de dire un mot pour nous. Nous avons besoin de parler pour nous. Tempête ça qui est dans la famille, tempête ça qui est dans le foyer, tempête ça qui est dans le ministère de Dieu. Vent agité, la mer agité ça. Nous ne pouvons pas parler. Dire un mot pour l'éternité envahie. Pour toute bagaille rentrer dans l'ordre. Dans le calme, n'a pas de parler, Seigneur. Merci pour vie abondante, cher Seigneur. Vie abondante de ma vie, nous levons le vent. Vous commencez, nous prenons ma jambe campée, vous va faire route. Chaque côté dossier, l'église va arriver. Chaque côté dossier, l'église va discuter. M'a pas de faire intervention, on parle en grand monde. Parce que c'est roi des siècles. Là. Mais au devant, et chaque monde qui est autour de la vie, Seigneur, dans la plateforme prière, ça. Qui gon vent cap vanté, que ce soit dans la vie ou dans la famille ou dans le foyer ou dans le ministère ou Dieu, m'a demandé au fond intervention pour yo, calmer la main troublée, calmer la tempête yo, et bah yo victoire Seigneur. Nous disons merci pour tout bagay, merci pour fidélité, merci pour grandeur, merci pour compassion, merci pour amour, merci pour grâce infinie, merci pour tout bagay. Dans le nom de Jésus, mon gloire. Dans le nom de Jésus, mon louange. Dans le nom de Jésus, mon honneur. Dans le nom de Jésus, mon exaltation. Moi, je dis merci pour toute bagaille, Seigneur. Merci pour l'évangile. Merci pour la croix. Merci pour compassion. Merci pour fidélité. Merci pour amour. Merci pour grâce infinie. Dans le nom de Jésus. À Jésus seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'exaltation. Au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Nous bénissons nos dieux amis. Nous disons merci pour l'opportunité. Ça a été pour nous encore aujourd'hui pour nous être ensemble. Nous souhaitons dans le nom de Jésus, on va passer une bonne fin de journée. Nous disons à ces derniers jours de la semaine. Et demain, si Dieu le veut, c'est dimanche. On va à l'église. On va à l'église. N'attendons, va l'église. N'attendons. N'attendons l'église. Et vous sautez l'église ou mettre branché. Il y a 10h50, n'a déjà dans l'air. À 10h50, n'a dans l'air. Et vous sautez l'église, n'attendons. Comme si nous n'avons pas chance de saluer chaque monde individuellement aujourd'hui. Mais où dans l'église la prière. N'a qu'un bon dans la prière. Et bon Dieu va faire intervention pour nous. C'est le moment où nous allons prononcer les mots de bénédiction pour nous capables de quitter ou aller au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons prononcer les mots de bénédiction et nous allons utiliser les mêmes mots à Paul pour nous utiliser pour être capables de bénir le peuple là. Dans un Thessaloniciens, l'église Thessalonica, que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communication de l'Esprit Saint, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, les bénédictions spirituelles et matérielles de Dieu, capables de multiplier dans la vie, dans la famille, dans le foyer, et bien spécialement dans tout ministère vie abondante Dieu. Pour bon Dieu, bande nous force, grâce qui est nécessaire pour nous battre le bon combat de la foi, pour nous qu'aimer le drapeau de l'évangile là, pour nous être flotté dans le même, pour nous finir la caille, bon Dieu. Et les trompettes là va sonner. Mais bon Dieu fait appel à moi, il fait appel à vous-même. Et bien, avec joie, pour nous capables d'aller
à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était serviteur, pasteur Enoch Timothée, pasteur de l'Église de Dieu, vie abondante. À Dieu soit la gloire. Nous va voir encore semaine prochaine, si Dieu le veut. Que bon Dieu bénisse. Bye bye.